bonjour à tous. Deuxième palier, félicitations, vous avez fait le premier palier sportif, hein, tout au moins 10 minutes le matin, en routine du matin, 10 minutes, là on avait fait la marche, donc voilà, avec deux jours off hein, dans une semaine, vous marchez au rythme que vous voulez. Alors bien sûr les bienfaits de la marche, c'est le matin, bah, c'est se mettre en condition physique, réveiller son corps, réveiller son esprit, avoir de l'énergie. Voilà, vous l'avez fait, vous avez vu ce que ça vous apporte. Là, nous allons passer dans le deuxième palier et là, nous allons faire de la course à pied. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Donc c'est juste voilà 10 minutes, hein, voilà. C'est pour ça que vous avez vu, je me suis servi des pylônes, voilà, donc des lampes. De la première lampe à la deuxième, je marche, voilà, je marche. Et de la deuxième à la troisième, je sprint. Donc c'est ce qui fait augmenter le rythme cardiaque. Et ainsi de suite, je remarche et je reviens, etc. Donc je me mets des points pour dire voilà. Et après on fait ce que l'on veut, bien sûr. Si on veut aller plus loin, voilà. En sachant que ce n'est pas du sport, ça ne remplacera pas une séance de sport d'une heure, voire une heure et demie. Mais c'est juste 10 minutes par jour, 10 minutes le matin. Hein, là on a la chance, il fait beau, on n'est pas. J'ai la chance, il est 10h le matin. Voilà, mais après vous verrez dans certaines routines, on se lève des fois largement plus tôt. Et voilà. Mais le but c'est de faire ce que je vous ai fait voir. Cohérence cardiaque, gratitude, donc écriture, et ensuite partir sur 10 minutes de footing ou de marche à pied, alterner, etc. Voilà, le plus important, évidemment, vous commencez à le connaître, ce n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait. Nous arrivons au deuxième palier. Je vous dis à bientôt et on avance ensemble.